en attendant qu'on te la rappelle. Regardez la pique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Krieger, responsable R&D chez Roxxon Energy. Monsieur Krieger, vous avez vanté les mérites de vos réacteurs à Nuform, dont le premier sera bientôt mis en service à Harlem. Et pourtant, vous avez des détracteurs. Tout d'abord, Jonah, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un plaisir d'être invité dans votre émission. Oh, vous allez me faire rougir. Et vous avez raison. Nous rencontrons de la résistance. Notamment de la part de Rio Morales, qui se présente au poste de conseillère municipale lors des prochaines élections. Et j'ai beaucoup de respect pour Madame Morales. C'est quelqu'un de très intelligent et un modèle pour toutes les jeunes femmes. Mais je suis convaincu qu'elle se trompe de cible. Nos réacteurs à Nuform vont avoir un impact bénéfique sur cette ville et sur tous ses habitants. Et malheureusement, certaines personnes ont du mal à accepter le changement. Laissez-moi vous donner un petit conseil d'un homme accompli à un autre. Vous savez ce que je réponds à mes détracteurs ? Allez donc torcher le d'une vache ! Je dois avouer que j'admire votre franc-parler. Vous n'hésitez pas à risquer une amende pour vous faire entendre. Une amende ? De quoi vous... J'arrête ! Combien ? Oh, mercredi ! Faites votre panique, vite ! Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 8 de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales. Retrouve-moi sur les... Et on est parti, un casque ou des écouteurs. Ça marche. 4K 60 FPS. Et let's go, regardez comme c'est beau, regardez les détails. On pourrait se retrouver quelque part. Il n'y a pas au de Forum fou, des sciences, c'est beau, ou à Trinity Church. Non. Elle sait que je lui ai menti. Elle voudra pas me voir. Allez, on va essayer de résoudre le crime. Évidemment, on est quand même Spider-Man. Le temps que le frérot Aaron nous tienne au courant. Et il est où le crime? Il est là, le crime. Il est là. Alors, bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Vous allez très bien de ce que je vois là. C'est incroyable. Et ben c'est parti. Alors, bonjour. Vous savez comment ici on ouvre évidemment le bal d'un nouvel épisode? Et ben on lutte contre la criminalité. Ça c'est de l'esquive. Hop, toi c'est un montage en l'air. Ça c'est compliqué. Toi tu dégages. Hop, petite esquive. On a agrandi le cercle, on peut se permettre des petites folies. Évidemment, toi, c'est terminé pour toi. C'est déjà la fin de l'épisode, te concernant. Ensuite, ça. Aïe, ça c'est bien joué ça. Hop, il bouge les goûts. Oui, non, bah attends, c'est moi le dégénéré, frérot. Oh, t'es un putain de criminel. Voilà. Hop. Bon, toi, t'es vraiment chiant. Voilà, quoi d'autre? Non, arrêtez les gars, putain, mais vous avez tous des armes, c'est n'importe quoi. C'est... Ouais, remarque qu'on est aux États-Unis d'Amérique, c'est apparemment facile d'avoir une arme. Enfin là, vous abusez un peu quand même. Non, vous êtes pas dans l'abus? Monsieur, réponds. Hop, réponds, je t'ai dit. Ouais. Soyez plus discret la prochaine fois. Sinon, ça va, oh. Je vais me faire engueuler maintenant. Bon, on va voir un petit peu les nouvelles tenues. Ne bougez pas, parce que j'ai eu déjà des nouveaux gadgets, ça c'est plutôt cool. Regardez, augmente la capacité du lanceur de toile. On peut... Augmente la capacité d'étourdissement de la mine télécommandée. De 3 à 4,5 quand celle-ci est contre un fusible. Évidemment, on prend totalement, ça coûte cher, tout coûte cher en fait, hein, c'est terrible. Hein. Il me reste qu'un jeton. Je vais devoir lutter beaucoup plus contre la criminalité telle que c'est parti. Bon, c'est pas grave, on y va. Ça y est, je peux aller voir le frérot Aaron. Alors on va y aller, vous inquiétez pas. On va juste essayer de gratter un petit, une petite cage de l'underground. Ah, ça, c'est... Alors ça, je reconnais, ça c'est tout en haut, ça. Ça c'est tout en haut. Hop, on va y aller calmement. Ok, non, c'est vraiment tout en haut, non? Non, c'est tout en bas, dis donc. Bah je l'ai, elle est là. Hop, voilà.
Points de compétences disponibles, 3. Oh, incroyable ça par contre. On va se les mettre direct. On va se les mettre direct, ne bougez pas. Alors, compétences cette fois-ci. Bon, qu'avons-nous ? Agrandit la zone d'effet de l'électromarteau. Ça, c'est plutôt pas mal pour le coup. Les ennemis paralysés subissent 50% de dégâts en plus contre des attaques basiques. C'est pas mal non plus. Maintenez triangle pour saisir et lancer des armes imprégnées de puissance bioélectrique. Elles exploseront à l'impact, renversant et paralysant vos ennemis. Ça, c'est pas mal. Hop, on prend. Permet de stocker un troisième coup de grâce. Bah, attendez, déjà, en stocker deux, ce serait pas mal. Oh, regardez de l'autre côté. Attendez, parce que l'autre côté va être jaloux. Voilà. Les attaques en mode camouflage coûtent moins en énergie de camouflage. Les points bioélectriques infligent un bonus de dégâts en mode camouflage. Ok, donc ça, c'est littéralement le mode camouflage. En éliminant des ennemis avec des attaques, le coût final ne coûte pas d'énergie de camouflage. Augmente la quantité maximum d'énergie de camouflage. Vous permettant d'être invisible plus longtemps. Ça, c'est plutôt cool. Et normalement, j'ai plus de points de compétences. C'est parti pour la suite de nos aventures. On va voir Aaron, le sang de la veine du chibre, oncle Aaron, qui n'a pas été très gentil, alias Prowler, alias le rôdeur. Il n'a pas été très gentil, mon père menait une enquête dessus, mais il est là pour m'aider. Il a l'air de s'être rangé du bon côté. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Ok. Ça aurait été plus simple de faire ça chez toi. J'ai arrêté la vente à domicile depuis que Dell m'a volé l'an dernier. Ah ouais. Hop, le gros balèze. Je l'ai embauché. Ça suffit, il les a plutôt. Voilà. Hop, lui. La garde est fêlée. Tu vas mort. Hop. Voilà. Bon, ça, c'est vite fait. Hein. Vite fait, bien fait, comme on dit dans le milieu. Hop, non, tu chopes personne. Toi. Voilà. Toi. Et non, là, je vous régale. Régalade, ce délire. C'est une régalade. Bah dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien qui voilà, Inspecteur Gadget. Vous ne l'attraperez pas, incroyable, allez on est parti. Merci à tous ceux évidemment qui comme d'habitude like chacune de mes aventures, qui partagent en story sur Instagram chacune de mes vidéos, qui mettent des commentaires sur chacune de mes vidéos, qui sont toujours là, même le soir sur chacun de mes lives. Vous êtes tous et toutes extrêmement beaux et belles, évidemment. Apparemment, il vit comme un roi en prison, et sa cellule est plus confortable que l'appartement de Jared. Et pendant ce temps, ses avocats font appel de sa condamnation. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une justice dans ce monde. En effet, un article du Daily Bugle révèle que les ruines de sa tour Fisk, qui doit être démolie dans le courant de cette année, ont été envahies par quelques squatteurs. Quelle ironie du sort de voir que ce bâtiment tape à l'œil, érigé par un homme qui s'est toujours cru au-dessus des lois, est maintenant pris d'assaut par des parasites. Spider-Man va bientôt y installer son quartier. Il faut que je te rappelle. Allez, Miles, je t'écoute. Dis-moi tout ce qui se passe. Finn, Roxxon, l'Underground, ça fait un peu beaucoup. T'as 17 ans, t'es stressé et t'es un super-héros. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu fais toujours du sang ? Pas trop depuis que j'ai commencé tout ça. Il faut trouver son équilibre. C'est ça le plus important. Tiens. C'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruits de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on s'est embrouillé. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais. Ouais, ok. Je dois faire quoi ? Charge ça. Je vais te guider. Hop, adieu les droits d'auteur. Hein. Ça sent le gros rap sa mère. Analyse la source. Des hologrammes. Tu me piques mes méthodes ? Non, ça va. Allez, j'ai cru qu'il y a un gros son qui allait sortir. Fine. Concentre-toi sur les sons. Rien d'autre. Analyse les hologrammes. Ça débloquera des fichiers sur la clé que je t'ai donnée. Ça t'aidera à trouver les sons que tu cherches. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Maintenant, essaie de retrouver le son de départ et sample-le. Recule, tes niveaux sont pas au point. J'ai rien compris. Attendez, c'est mon petit côté teubé qui ressort. Bon son, mais il est étouffé. Essaie de trouver quelque chose de plus clair. Mais c'est pas ça. Continue. Mais c'est pas tout à fait ce que tu cherches. J'ai rien compris. Je recherche un truc qui fait didim. Essaie de t'approcher encore un peu. Source bloquée, frérot. Bah ouais, mais... Prends pas, en fait, genre, vraiment, hein. C'est ça ? Ah ouais, c'est honteux, putain. Oh, c'est de la merde. Et voilà ! Ouais, c'est ça ! Oh non, tu déconnes, tout ça pour ça, les gars, on en est là ? Terrible. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme, mais tu parles, c'est énorme, mais d'où t'as une instru, là, gros ? Pas maintenant. Alors, t'as bien aimé ? Ouais, y a une super bonne dynamique. Ouais, je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne ? Où ça ? Trinity Church, demain soir. Pourquoi ça t'intéresse ? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais, t'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi exactement ? C'était... compliqué. On était très proches, mais... très différents. Fini la mixtape. Récupère les samples. Et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Quoi ? Merci. Trinity Church. N'oublie pas. Tinkerer est à toi. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? Bon, wow, j'en avais besoin. J'étais crevé. En vrai, il y a quelqu'un ? Ok, j'appelle Finn. Dès que je suis prêt à décoller. Maman ? L'attaque du pont n'a pas du tout ralenti maman. Bon, vous aurez compris que pour connaître l'histoire entre mon oncle et mon père, il faudra que je récupère tous les morceaux, bien évidemment, sonores. Il y en a 10 ou 9 en tout. Et c'est très très chiant, mais si vous voulez qu'on le fasse, on le fera, il n'y a pas de souci. Je voulais pas te réveiller, je suis au QG de campagne, envoie-moi un texto. C'est sympa d'avoir l'appartement pour moi tout seul. Ah ouais, bah c'est pour ça que j'ai pas envie de partir tout de suite en fait. On peut faire de véritables folies, là. Regarde-moi ça. Ce serait bien. On peut se régaler. On peut se régaler. Celui-là, on l'a déjà. Je m'en lasserai jamais de celui-là. Non. Bon, on le prend, hein. Vraiment, parce que je me suis bourré de touches. Voilà. En plus, c'est vrai que c'est du bon jazz. On va pas se mentir. Père avait du très bon goût. J'ai du mal à imaginer maman enfant. Ok. Maman cartonne. C'est obligé qu'elle gagne. Maman ? Ouais, si elle se fait pas tuer, hein, MDR. Ganky ? Y'a quelqu'un ? Bon, bah, je suis tout seul.
La chambre de maman ressemble de plus en plus à la chambre de maman. Eh ben, on va pouvoir partir. Quoi de plus sexy qu'un home maître? Rien, rien du tout. On va pouvoir partir. Un petit synthé? Mon matos a bien survécu au déménagement. Sympa le petit stud. Allez, on se casse. Bon, est-ce qu'on change de tenue? Oreille musicale, c'est fait. Alors attendez. Je voulais qu'on essaye elle. Si je ne m'abuse, non, ça c'est la classique. Il me manque pas mal de jetons. Oh, elle est... Non, elle est... Ouais. Ouais, c'est de New Generation, c'est le, du dessin animé. Ah putain, il y en a vraiment des pas mal. Hein. Elle est stylée aussi en vrai. Elle est stylée aussi. Elle moyenne. Bon, on verra un petit peu plus tard. Allez, let's go. On va faire quelques petites activités ci et là. Et on va pouvoir continuer. Hop. À faire 2-3 petites quêtes secondaires, ça peut le faire. Tout le monde a l'air d'aller bien après la manif. Allez, dis-moi tout. Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Oh, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien. On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé? Bien sûr, mais personne ne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit. Je la retrouverai là-bas, je me rendrai utile. Merci Spider-Man, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. Eh ben on va le faire, allez, c'est pas bien grave, let's go. Hop, j'ai sauté sur la tête d'un mec, hein. Il m'en voudra pas, c'est pas bien grave. Hey Yankee, je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb's Clean Cut, c'est Panafuerte. Oh, j'adore Panafuerte. T'as goûté leurs arêtes? Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super-héros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouve les marchandises volées, qui les a volées, et vois s'ils ont un lien avec le cambriolage à la bodega de Théo. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes. Allez, une petite quête secondaire, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas avancer. Et ça nous fera du bien, je pense. Encore une petite cache de l'underground, vous savez quoi? On va pas se gêner, on va la faire tranquillement. Où elle peut être celle-ci? Peut-être là-haut, non? Peut-être là-haut, même sûrement là-haut. Regardez-moi ça, une petite coquine. Alors, est-ce que ce serait pas par hasard derrière ça, hein? Eh non, j'ai niqué un échafaudage pour rien, mon pote. Ah, quoique. Mais bien sûr que si, mon gars. Let's go. On récupère pas mal de petits trucs. Là, ça fait plaisir. Vous savez quoi? J'ai envie que ça soit un épisode chill un peu. Tu pourrais me faire quelque chose d'utile. J'ai vraiment envie que ça soit... Et j'ai même envie que le prochain, l'épisode 9, ça soit encore du secondaire. Parce que j'aime bien, en vrai. Ça permet de débloquer plus de tenues, d'en voir toujours plus. Allez, let's go. Vous savez quoi? On va se faire plaisir. C'est pas tous les jours qu'on peut jouer à la PS5. Enfin, maintenant, si. Mais... Elle est officiellement sortie aujourd'hui, ça y est. Nous sommes donc bien le 19. C'est le centre de distribution du quartier de Caleb. Ok. Ah, attendez. Notre petite cage de l'underground, ça fait plaisir à la famille. Et je l'ai. Hop. Je sais pas combien il y en aura en tout, mais... Allez, ça régale. Et ben voilà. J'en ai beaucoup plus besoin que vous, l'underground. 11 sur 35. J'ai presque envie de finir le jeu. La police? Qu'est-ce qui se passe? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée? Grâce à une caméra Oscorp. Camilla Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon dieu! Ils ont kidnappé Camilla! Je dois essayer de la retrouver, mais la police va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices... Camilla ne s'est pas laissé faire. Faut que je découvre où ils l'ont emmené. Ok, ok, il y a un petit bout de papier qui vole, ça fait plaisir à la famille. Un ticket de parking. Oh, Chinatown. Let's go. Mais où ça, à Chinatown?
Je suis un homme. C'est bon, tranquille. L'éviation est en cours. T'as entendu ce qui s'est passé avec le métro? Le nouveau Spider-Man a remis le métro en marche. C'est ce qu'on dit, donc. Bon. Il me barre le chemin. Ok. Alors comment je fais? On manque toujours de personnel. Ah, j'ai une idée. Très bien. Faut bien que quelqu'un se sacrifie. C'est vrai que t'es le seul à part. Et n'approchez pas. C'est une scène de crime. Yes. Désolé. Je peux examiner l'indice. Une veste. Allez, de chez prends David pas ton temps cette fois. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Et c'est bien stylé ça de mener l'enquête et tout. Tu par sais contre, où vraiment. Je peux trouver le garage David Scomplit Auto Repair. Les quêtes secondaires sont giga stylées, on va en faire plus, hein. Il y en a un à Chinatown? Ouais. Je t'envoie l'adresse. On va en faire plus, franchement, non? Parce qu'honnêtement, les quêtes secondaires sont assez stylées. Ça fait vraiment un peu mission principale. Correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. Ok. Hey, Spider-Man, vous avez des pistes pour nos marchandises? Ouais. Les gars qui ont tout volé. Camilla a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappé. Quoi? Vous êtes sûr? Complètement. Je vais essayer de la sauver. Ah. Heureusement que vous êtes venu vous en mêler, Spider-Man. Merci. Alors, attendez. Attendez, parce qu'il y a une petite cage de l'underground par ici. Je vous avoue que ça me ferait plaisir de la choper. Et c'est sûr qu'elle est tout en haut. Ouais. Ok, bah let's go. Bon, elle attendra un peu, c'est bon, elle a été kidnappée. Elle va pas commencer à casser les couilles. Ah, je suis passé de l'autre côté, ça c'est fort dommage. Et ben voilà. Oh, allez, encore une cage supplémentaire. C'est bon. Il y a aussi les tutos à faire hein, de Peter Parker. L'Underground a installé une base ici sans que personne s'en aperçoive. Allez, go. En même temps, c'est pas tout le monde qui va sur ce toit-là, mais nous, on a galéré, mon frérot. Ok. Allez jusqu'au garage, j'arrive. J'arrive. 9 XP, génial! Let's go! Hop, on va arriver avec style. Wouah, ça c'est stylé, ça, ce que je t'envoie là. Excellent! Regarde, là je t'envoie un maximum de bonheur. Laissez-moi partir, bande de brutes! Les flics, on bouge, vite! Non! Allez, on est parti! Rendez Camilla! Laissez Camilla partir! Oui! Je suis pas en train de rêver là? Camilla est dans cette voiture? Ouais! Dans Manhattan et qui va sûrement avoir un accident. Ouais. Oh non. Oh non, c'est le truc qu'il faut faire triangle en étant assez proche. Courage, tenez bon Camilla. Ok. Merci les flics. Let's go. Camilla, tout va bien là-dedans. Hop. Toi, tu dégages. Oh putain, ça fait longtemps. Toi, tu dégages. Plus que le pilote. Et toi, tu dégages. Et... Aïe. C'est rien. Ça manque de finition. Tiens, hop. 4 morts dans les civils. Mais au moins Camilla est en vie. Qu'est-ce qu'il y a? Spider-Man! Ah, je pensais pas que... Ah, mais ces hommes-là! Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie rapide. Ils sont près du pont. Oh, les salauds! Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, je vais appeler un taxi. Mais les quêtes secondaires durent grave longtemps en plus, non? Franchement, c'est stylé, hein. C'est giga stylé pour le coup, hein. C'est giga stylé. Allez, en plus, on a une petite planque encore, pas très loin. Où est-elle? Hop. Alors,
Où est-elle? Oh, bah voilà. Je reconnais ça, elle est là-dedans. Hop. Aucun problème. Let's go, ça c'est fait. Et on est reparti. Finissons cette quête. Quoi? Non, c'est un bug là. Il y en a une autre? Non, attendez, il y en a une autre. Non, c'est un bug? C'est bizarre. C'est très bizarre ce qui vient de se passer là. Gangi, Camilla est en sécurité. Elle a surpris ces types en train de voler les réserves. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Justement, j'ai fait des recherches. Quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie, pour faire fermer les commerces dans la rue de Camilla et Caleb. C'est sûrement le même gars qui paye ces criminels pour qu'ils viennent s'installer. Exactement. Du coup, j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain. Mais t'es trop un génie! Bon, je pars sur les terres récupérer la marchandise. Je te rappelle. Ok, allez, on est parti direction les quais. On va essayer de récupérer tout cela, n'est-ce pas? J'essaye de voir s'il n'y a pas une petite cage de underground. Au passage, on en a eu 3 ou 4, c'est plutôt pas trop mal. Des caisses, encore des caisses. Oh, partout. On va pouvoir se régaler. J'avais fait un fight au port ici hein, dans Spider-Man, souvenez-vous. Hein. Si je tends l'oreille, je saurai quelle caisse je dois ouvrir. Il faut pas qu'il me voie. Et ben voilà. Il faut pas qu'il me voie. Eh, suffisait de demander. C'est terrible. Terrible. Il faut pas qu'il me voie. Je sais pas si je continuerai à bosser pour le Mastoc quand il sera implanté à Harlem. Pourquoi? T'aimes pas l'argent? Il y a des fois, il veut faire des trucs qui sont contre mes principes. Les drogues, le racket, ça passe. Mais il bute des gens. Je savais pas que t'étais une mauviette. Faut savoir poser ses limites. C'est pas ce que je cherche. Je les entends pas avec le conteneur. Tu crois qu'il va construire quoi sur le terrain? Peut-être des apparts. Ou des bureaux. Pour faire circuler de la drogue. Possible. C'est bien pour se faire du fric rapidement. Pas de ça dans mon quartier. J'aime pas avoir des bouts. Je repense à toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre. Ok. Plus que des mecs tout là-haut. Hein? Y'a quelqu'un? Attention! Attention! Aujourd'hui, c'est jour de paix. Ok. La barbe, des ranges serviettes. On va tout balancer. Tu peux commencer si tu veux. Conteneur vert avec l'étoile blanche. C'est bon. Je vais pouvoir m'occuper de ces types. Oh, toi, viens là. Faut être plus rapide. Il y a un truc qui est bien avec lui. Plus de trucs à voler. Quoi, viens là. Ma vie, j'ai des ambitions. On est un... Tes seules ambitions, ça va être de rejoindre tes potes, mon frérot. Toi, tu viens là. Ok. Hey, je parle pas beaucoup, j'essaie vraiment de me concentrer pour vous fournir le meilleur des. Le meilleur des gameplays. Viens là. Il reste un petit peu de monde là-haut, mais ça devrait le faire. Gagner
sa vie devient de plus en plus dure pour les honnêtes criminels. J'ai entendu un truc. Bon, toi tu viens par ici. Faites bon rêve. Ok. Oh, je l'avais pas vu lui. Hein. Alors. Comment on va faire? Pas de bol sur ce coup. Désolé. Attendez. Toi, et normalement, si tout va bien. Et c'est plutôt pas trop mal en vrai. Hein. On va peut-être y arriver le 100% infiltration hein, dans cet épisode-là. Hein. Gagner sa vie devient de plus en plus dur, les honnêtes criminels. C'est quoi ça? Ça va laisser une trace. Ok. Attendez, celui-là était Mikao. Il fait que de parler, c'est terrible. Faut être plus rapide. Bon. Quel bonheur quand personne ne grille rien. Quel bonheur. Oh, attendez, je peux faire un petit coup de rafale. Hé, hey, qu'est-ce que c'était? Allez-y, là, les deux boubourses. C'est les deux derniers, hein. Vous êtes prêts? Arlem, let's go. C'est terminé. Fin de mission, fin d'épisode. Bon, marchandises, conteneur vert, étoile blanche. Un conteneur vert, étoile blanche. Alors, conteneur vert... Étoile blanche, bibabibaboum. Et ben ça, mon frérot. Conteneur vert, on l'a. Oh, je sens que ça va être chiant. Conteneur ah, vous vert, sentez le moment le plus chiant de l'épisode? Conteneur vert, étoile blanche. Ok. Pas d'étoile blanche non plus. Conteneur vert, étoile blanche. Et ben c'est... Ah, c'est chiant. Ah non, ça c'est terrible. Ces petits passages là, c'est assez terrible. Conteneur vert, étoile... Ben je l'ai. Bordel de merde. C'est la bonne caisse. Eh oui, c'est la bonne caisse. Derrière d'autres caisses, cette grue pourrait servir. Oh non, tu déconnes. Ok. Faut bloquer le mécanisme. Oh shit. Va falloir faire un effort. C'est bon. Maintenant, faut sortir l'inventaire de la caisse. Ok. Sérieux? Mais vous êtes combien? Hop, récupère ta porte. Hop, tiens. Ah, c'est terrible. Attends, viens frérot. C'est bien ce que je pensais. Wouh! Ça, c'est pas ce que je pensais. Attends. Je vais te décrabouiller. Votre patron vous a donné des lance-roquettes? Hop. Coucou frérot. C'est pas malin de s'en prendre aux honnêtes commerçants de mon quartier. Hop. Oh toi, tu dégages, c'est assez terrible, je suis désolé. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Yo. Ça c'est pour vous et ça, c'est pour toi. Ça va les roquettes, j'ai pas que ça à foutre, j'ai assez de données les gars. Toi, tu dégages. Ok. Toi, c'est terminé. Et ben voilà. Et ben
Encore plus long que ce que je pensais, dis donc. Une quête secondaire, c'est un épisode. Terrible. Ils sont là. Toutes les marchandises volées. Caleb, j'ai retrouvé votre inventaire. Envoyez quelques camions sur les quais et je vous aiderai à le récupérer. Allez, c'est la fin de notre épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos Spider aventures. Bisous tout le monde, ciao ciao. On va pouvoir s'en sortir. Merci mille fois. Vraiment. Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir. C'est la maison qui offre. Vous allez faire comment avec le masque ? Oh, je me débrouillerai. Oh yeah, il faut bien que vous mangiez aussi. Vous êtes en pleine croissance. Venez à Panafuerte quand vous voulez, et on vous préparera quelque chose. Je vous remercie, tous les deux. On vous doit une fière chandelle, Spider-Man. Tout le quartier vous en est reconnaissant. Tu fais du super boulot, Spider-Man. Tu m'as bien aidé. T'as une piste sur notre homme mystère ? Ouais, j'ai commencé à faire une liste. Pour l'instant, j'ai Vulture, Scorpion et Tombstone. Je crois pas que ça soit le genre d'Electro. C'est du lourd, ta liste. Mais on va se débrouiller. Je veux pas de lui dans notre quartier. Oh, c'est la première fois que tu dis notre. Là, tu me gênes. Trop tard. Ok. Je dois appeler Finn. Pourvu qu'elle réponde. Salut, Spider-Man. Finn, salut. Il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu mentes encore ? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît. Rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges. Je te promets. Si tu te fous encore de moi. D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir, c'est déjà ça. Ok. Trinity Church. En route.